Ceux qui ont dû jouer la première démo de Sonic Generations, celle qui était sortie durant cet été, vous pouvez constater que la cinématique de départ n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc ils n'ont pas modifié ça. Par contre, l'écran titre. Attendez, faut que je me souvienne l'écran titre. Est-ce que c'était comme ça? Alors là, je me souviens plus du tout de l'écran titre, mais en tout cas, je trouve cet écran titre vraiment, c'est pas très beau, c'est. Non, c'est. Je trouve ça pas terrible du tout, parce que c'est. Je sais pas, c'est. C'est un peu trop simplé, donc j'espère que pour la version finale, on n'aura pas cet écran titre qui est pas vraiment terrible, terrible. Il est plutôt bof, bof. Bon, alors on va commencer une nouvelle partie. Donc si. Donc d'ailleurs, je tenais à préciser que si j'avais pas fait de vidéo sur la première démo de Sonic Generation, c'est-à-dire celle qui était sortie durant cet été, c'est parce que tout simplement, je pensais qu'il y avait, je me disais que c'était pas vraiment très intéressant. Ah mince, j'ai lancé le truc. C'était pas vraiment très intéressant et qu'il suffisait d'attendre la sortie du jeu ou bien qu'il y ait une prochaine démo pour qu'on puisse faire un truc qui sera assez correct et qui puisse intéresser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai les réponses à toutes tes questions. Cherche-moi si tu as besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est? Voici un premier conseil. Appuie sur la touche A si tu veux faire un saut Qu'est-ce que tourbillon. c'est que ce machin? Attendez, ça me dit quelque chose, cette... Je suis Ça me dit quelque J'ai les chose, réponses cette à toutes tes bestiole. questions. Cherche-moi si tu as besoin Ah oui, d'aide. ça... Voici un premier conseil. Non, ça me dit Appuie sur la sérieusement touche A quelque si chose, tu cette veux faire un saut bestiole. tourbillon. Elle était peut-être dans un ancien... dans un ancien opus de Sonic, genre Sonic Adventure. Ça, c'est bien possible, parce qu'elle me dit. Je suis Omo Chao. J'ai les réponses à toutes tes questions. Et puis en plus, Cherche-moi sa si voix, tu as on dirait besoin d'aide. un... Voici un Je sais premier pas, on conseil. dirait... Appuie sur la touche Eh, A si ah tu veux d'accord. faire un saut tourbillon. D'accord, je peux faire ça. Sa voix, on dirait vraiment une voix d'un, je sais pas, genre un Pokémon ou bien un personnage de dessin animé. Alors, les ennemis, du côté des ennemis. Tiens, ça peut changer, on a toujours ces espèces de... d'abeilles. Ça, c'est toujours là. Puis je vois... Je crois que ça n'a pas changé du tout. Je crois toujours que c'est le même niveau. Le niveau, il est parfaitement identique, rien n'a changé. Et voyons du côté de Sonic. Bon, du côté du saut, c'est toujours pareil. Par contre, il y a une petite modification au niveau des détails de la fumée derrière quand on. Ouais, il y a quand même une légère modification, mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ok, c'est toujours aussi fluide. Ouais, non, mais je trouve que. Non, ils ont rien modifié. C'est toujours la. Toujours la même chose pour ce niveau en 2D, à mon avis, ils ont rien modifié. On verra après, peut-être du côté de du niveau
Attendez. Je vais peut-être brancher mon PC qui me dit qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Mais je vois aucune modification du niveau. À mon avis, il est complètement identique. Alors peut-être que ça... Alors peut-être qu'il y aurait eu quelques changements au niveau du niveau du Sonic moderne entre guillemets, mais je suis pas sûr du tout. Ouais, du côté du Sonic moderne, si, je suis sûr, mais... Oh là, il me bazarde des... Ah oui, mais il est toujours là, lui. Il était déjà là dans les démos de cet été, lui, je m'en rappelle. Ah, les poissons, merde. Ah, c'est bon, non. Ah oui, ils étaient déjà là, je m'en rappelle. Ah ben le voilà, lui. Tiens, meuf. Hop. On va essayer de se grouiller. Mais en tout cas, c'est... Non, ça n'a pas beaucoup changé. Là, c'est toujours placé au même endroit, ça. Ouais, non, il n'y a pas grand... À mon avis, ça n'a pas changé. C'est exactement le même niveau que sur la démo de cet été, quand même. À part quelques... Regardez l'arrière-plan. C'est pas mal foutu. Ah si, sérieux, c'est bien fait. Ah, c'est magnifique à l'arrière. Avec la chute d'eau ici. Oh, c'est super bien fait. Attendez. Là, c'est super bien fait. Bon, alors, on va avancer. Si tu es blessé, ah, mais la revoilà, est... Mais ça, je trouve que c'est... Alors fais attention. Est-ce que ce serait la seule modification qu'ils aient apportée? Est-ce que cette espèce de bidule qui parle d'une drôle de voix, ce serait la seule amélioration qu'ils auraient portée depuis la précédente? Bon, ce serait bizarre quand même. Il y aura un petit peu de foutage de gueule quand même. Oula. Alors, gaffe au pic. Non mais l'univers derrière, toujours aussi beau. Regardez-moi ça, les chutes d'eau derrière. C'est toujours aussi fluide, y a pas de problème, y a aucun ralentissement. Ok, c'est toujours aussi rapide. Ah non mais écoutez, c'est complètement... Ouais, c'est complètement le même niveau que genre celui de cet été, c'est quand même fou ça. Ouais, en tout cas, y a pas à dire, c'est toujours aussi fluide. Oh là! Hit. Ah d'accord. D'accord, je comprends. Donc ici on passe sur l'espèce de... d'orcède, oui. Et on a déjà fini. Ah oui, donc vous voyez, c'est exactement le même niveau que dans la première. Ça, c'est un truc de fou quand même. C'est exactement le même. Ah, donc je vois pas vraiment l'intérêt de se le refaire. On va tout simplement jouer au Sonic moderne entre guillemets. Parce que c'est quand même un mode que j'ai... C'est quand même un truc vraiment nouveau pour moi. Je connaissais pas au départ du tout ce concept et j'ai quand même un peu de mal à m'y faire. Parce que c'est vrai que c'est un concept dans lequel vous êtes fort assisté quand même. Je veux dire, vous courez, mais vous faites quasiment rien vous-même. En fait, vous pouvez tourner, vous pouvez quasiment rien faire. À part sauter, tourner, je peux pas faire grand-chose. Attends. Appuie sur la touche A pour un saut pour faire une attaque téléguidée. Ah d'accord. Ah d'accord, une attaque téléguidée. Ah j'ai compris le truc, c'est bon.
Je viens de comprendre le truc. X turbo. Hop, hop. Oula, heureusement que j'ai... lui, j'ai pas mal fait. Ah mince, je suis mort. Ah, quel abruti, j'aurais jamais dû appuyer sur X. J'ai fait n'importe quoi. Bon, allez, on est reparti. On va essayer de se le faire quand même assez bien, mais en tout cas, les... ouais, c'est super bien foutu quand même, les décors sont beaux. Ça, y a pas à dire. Ah, mais je l'ai fait là, appuyer sur la touche. Oh non, mais c'est quoi ce... c'est connerie. Attends, là il l'a pas loqué. Voilà. On va faire quand ça fonctionne quand même. Bon, là ça fonctionne. Donc à mon avis, on peut pas. Voilà. Donc là on va mettre un petit coup de turbo. Ouais. Donc en fait quand on met du turbo, on envole tout, on envole les ennemis. Ah d'accord. Donc c'est comme si on était invincible. En fait. B, merde, j'ai oublié d'appuyer sur B. Ah non. Ah c'est ça. Oula. Ah il y a un passage en dessous. Ah d'accord. Donc attendez, voyons voir un petit peu les décors en arrière-plan. Ouais, c'est vraiment pas mal foutu. Les petits effets de d'eau des cascades, mais c'est vraiment pas mal. Et puis c'est toujours aussi fluide, ça y a pas de problème. Ouais, donc qu'on aille en boost, à mon avis... comme c'est fort assisté, il y a peu de chances qu'on se fasse niquer, qu'on se fasse buter, quoi, je veux dire. Ce serait quand même énormément assisté. Je veux dire, là, je suis à... ah non, merde, je l'ai raté. Ah, quel abruti. Là, c'est, je veux dire, c'est fort assisté. En fait, je fais quasiment presque rien. À part sauter, c'est limite si je joue. À part sauter, c'est quand même... j'espère que ça va pas être comme ça pendant... j'espère que ça va pas être comme ça dans la version finale, parce que j'aime pas trop le fait d'être tout le temps... stick analogique. Et si on va de ce côté-là? Ok... oh, le truc de ouf! On se fait poursuivre par un espèce de gros... je sais pas quoi, là, de gros piranha robot. Ah, c'est un truc de fou, ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le truc, il est super bien fait. Ah, ça, ouais, c'est super bien fait. Oh là, j'ai raté mon coup. Quel idiot. Ah, là, j'ai réussi, c'est bon. Vous avez vu, j'ai réussi à passer en dessous parce que j'appuyais pile au bon moment sur la... qu'est-ce que je fous? J'ai appuyé pile au bon moment sur la touche B et ça se joue vraiment au quart de seconde. C'est... si vous avez pas des réflexes de gros psychopathe. Oh putain! Oula! Voilà. Si vous avez pas des réflexes de gros ouf, je sais pas. C'est quasiment impossible à faire. Donc en fait, on peut loquer tout, même les ennemis. On peut. Ah oui. Ah oui, on peut même loquer les espèces de boosts là. Ah d'accord. Attendez, je réessaye. Ah oui, d'accord, on peut loquer les boosts. Ah, ça, j'avais pas compris. Ah, mais pourquoi j'arrive pas à monter? Ah, voilà. Oups, voilà. Hop, punaise. Ah, heureusement qu'il m'a pas eu, celui-là. C'est quand même magnifique. Regardez-moi ça, les décors derrière. Alors, je sais pas si c'est... si c'est juste des décors ou bien si on peut passer dessus. Ouais. Je sais pas si on peut passer de ce côté-là. Est-ce qu'on peut pratiquer la piste qui se trouve à l'arrière? En tout cas, regardez-moi les... ah, c'est magnifique derrière, c'est super beau. Alors, attendez. Ouais.
Attendez. Ah non, mais je me suis encore loupé, vous voyez, j'essaie de l'avoir. J'essaie de l'avoir en boostant, mais... Ah merde, je voulais te loquer, toi. Mais pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Ah, c'est bon. J'ai réussi le... En fait, il fallait être vraiment... Ah, mince. Il fallait vraiment être face d'elle pour pouvoir le loquer. Est-ce qu'il me semble. Ouais, donc vous voyez, c'est quand même bien, mais c'est pas super... C'est pas super, super... Enfin, c'est pas un type de gameplay qui me tire vraiment. J'ai fait 9 ans, c'est pas vraiment un style de gameplay qui m'attire vraiment, parce qu'on est quand même fort fort assisté. Non mais c'est... Je suis moins emballé, qu'avant. Bon, j'ai quand même acheté le jeu, mais... Je sais pas, ça me fait moins d'effet. Regardez, on peut dégommer les ennemis, on peut aussi les esquiver en appuyant sur... En appuyant sur quoi déjà? Attends, en appuyant sur LT et RT, je crois que c'est ça. Bon, allez, on va s'en refaire un. Ouais, donc je crois que ouais, c'est quand même, on est quand même fort fort assisté. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans Sonic, c'est la bande son, parce qu'il y a beaucoup de remix des anciens. Vous me direz si je me trompe, mais je pense de Sonic Adventure et compagnie. Il y a beaucoup de remix. On va essayer de se le faire en traçant. Ah mais quel abruti! Pourquoi j'ai fait ça? Mais quel idiot! Attends. Bon voilà pourquoi ça marchait pas. Voilà, là ça marche. C'est quand même incroyable ça. Oui bah ça on a compris. Elle commence à me saouler. Alors si elle est là tout du long pendant tout le jeu, je sais pas si je vais la supporter. J'espère que cette espèce de bidule avec sa voix bizarre là, il est là que pour la démo. Je sais pas comment je vais faire avec ça pendant tout le jeu. Ah mais non, c'est de ce côté là. Parfait. Ok, donc là, oui, bah c'est bien par là qu'il faut aller. B! Putain, j'ai encore loupé la touche B, non de Dieu. J'ai encore loupé. Et voilà, je me suis loupé encore une fois. Comment ça se fait? Hop, voilà. Bon, c'est bizarre. Bon, on est quand même super assisté. Bon, ça reste quand même un jeu que j'attends, mais quand même, c'est pas un jeu qui me met sur le cul, quoi. Enfin, c'est pas le genre de... C'est pas le genre de gameplay qui m'enchante. Non, c'est pas le genre de gameplay qui m'enchante vraiment. Le genre de gameplay où on est assisté comme ça, ça me dit rien. Non, franchement, ça me dit rien. Même si je vais pas... je vais quand même le... C'est pas pour autant que je ne ferai pas le jeu, mais... Ça me déçoit quand même un petit peu. Ah, quel idiot! Attends, je suis un... Est-ce que je suis au même endroit? Ah oui, je suis au même endroit. Oh putain. Oh là, j'ai failli me faire avoir par cette saleté de... Ouais, donc en fait, c'est comme les anciens Sonic, à mon avis, c'est des niveaux où il faut que vous reteniez le... Ah, j'ai eu peur. Il faut que vous reteniez l'espèce, il faut que vous reteniez le parcours par cœur pour faire
le meilleur temps possible, en fait, c'est surtout. Surtout le principe des time attack hein, sur les Sonic. Parce que je me rappelle sur les anciens Sonic. Mince. Attendez, vous pouvez prendre un autre chemin. Attends, est-ce qu'on peut retourner en arrière? Ah oui, mais on peut pas changer la caméra, donc ça en détend. Ah, quel idiot, j'ai encore raté mon... Attendez, il l'a fait tout seul ou j'ai rêvé? Attendez, les décors quand même ici, c'est pas mal. Attends, on va s'arrêter 2 secondes pour voir quand même. Ah là, le sol, il est super bien fait ici. Ah, c'est magnifique. Et voilà, on est arrivé à la fin. Donc ouais, donc c'est quand même... Ouais, je trouve que c'est fort assisté, qu'on peut pas faire grand-chose soi-même. Regardez, par exemple, l'endroit où on arrive avec le géant poisson, le genre de piranha robot. Je suis y assisté, c'est quasiment une... Enfin, un peu de choses près, ce serait une cinématique. C'est super assisté, ce truc. Donc attendez, bon, bah, je vais m'en refaire un. Mais je vais me taire. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser... Je vais vous laisser entendre la bande son un petit peu pour que vous vous rendiez compte par vous-même ce que c'est, enfin ce que donnent les remixes de certains anciens thèmes, pardon, de Sonic. Bon allez, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti ça. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas l'espèce de personnage qui donne des conseils tout du long. Bon, allez, je me tais et je vous laisse écouter. Appuie sur la touche A. Erreur de manette. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, cette manette? J'ai un problème avec ma manette, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai, ça. Bon, bah écoutez, j'ai un petit problème avec ma manette, je sais pas trop ce qui se passe. Mais... Ah, c'est dommage, ça. Je voulais vous faire écouter la musique et on va peut-être pas pouvoir à cause de ça. Ah, mais... Non, il y a vraiment un problème de manette. Attendez, je regarde si c'est pas la batterie ou bien... Je regarde si c'est pas un problème avec la batterie. Et je vais la remettre. On va voir si c'était ça. Reconnecter la manette. Maintiens la touche X pour faire un turbo. Quand la jauge de turbo en bas à gauche est vide, tu ne peux pas faire le turbo, élimine les ennemis ou ramasse des rings pour remplir la jauge de turbo. Appuie sur la touche B pour... Merde! Ah non, je suis même pas mort. Ah, il y avait un passage par en dessous. Moi je croyais que j'allais tomber dans un précipice. Ah mince. Bon, je vous laisse écouter la musique. Cette fois-ci, je me tais. Utilise le canal
Donc voilà, vous avez pu apprécier la bande-son. Je pense que ça doit être effectivement un remix, même si je suis pas sûr. Donc excusez-moi quand même pour le problème de manette, mais je sais pas, tout d'un coup, elle s'était mise à se déconnecter. Je comprends pas. À mon avis, les piles doivent être peut-être usées. Donc je vous ai dit ce que j'en pense. Donc à mon avis, c'est... Bon, pour l'instant, pour moi, c'est un jeu quand même qui m'emballe, mais pas 100% quoi, parce que c'est... Ouais, c'est entraînant, d'accord, on a un peu l'esprit... on a un peu attiré ceux qui sont nostalgiques de... Des anciens Sonic vont également adhérer super facilement au niveau en 2D. Et par contre, le niveau... Par contre, le genre moderne Sonic, entre guillemets, ça me paraît pas très très abouti, vu que, je sais pas, on est super assisté, on peut quasiment pas faire ce qu'on veut. Enfin, c'est quand même hyper scripté, je trouve. Mais malgré ça, c'est quand même un jeu qui me paraît assez bien. En tout cas, nostalgique comme je suis, c'est sûr que je suis quand même attiré par les... Je suis quand même plus attiré par les niveaux 2D, plateforme classique, on va dire, que par les niveaux... Mais ce qu'il y a aussi de... Il y a aussi, à mon avis, ouais, ce que j'ai vu, il y a aussi quelques phases de plateforme 2D dans ce concept-ci, dans le concept moderne Sonic. En plus, c'est la zone Green Hill. Ouais, j'avais reconnu ce truc, ça me disait bien quelque chose, Sun Green Hill. Donc à mon avis, c'est un truc aussi que les nostalgiques vont apprécier, ce la Sun Green Hill. La Sun Green Hill classique, ah oui, je me disais bien que ça me disait quelque chose, ça, tiens. Ce serait pas repris de Sonic Adventure, ça, pas. Je pense que si. Ah si, si, ça me dit quand même vraiment quelque chose, ça. Bon, écoutez, j'ai bien envie de m'en refaire un. Bon, alors on s'en refait un. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques passages en 2D dans ce moderne Sonic. Ah mince, je voulais speeder directement. Grave. Ok. Ah ok, elle veut nous suivre tout le long du truc en nous disant des conseils et en nous faisant chier tout du long, quoi. Parce que je vous dis, si c'est la seule chose qu'ils ont rajouté, franchement, c'est pas terrible du tout. Ils auraient mieux fait de rien rajouter. Mince. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que c'était pas un précipice. Allez, rends-moi mes rings. Espèce d'enfoiré. Ah mince, je l'avais. J'aurais été plus vite si je l'aurais loqué. Enfin, si je l'aurais attaqué. Ouais, donc ça me paraît... Ouais, c'est quand même... Ah, ça me rend triste que ce soit quand même aussi autant assisté que ça, quoi. On a quasiment, pour ainsi dire, aucune liberté. Ça c'est dommage, quoi. C'est dommage. Utilise le signal de code pour sauter entre les rails gauche et droite tout en glissant.
Ah mince, je l'ai loupé. Et on va prendre celui du milieu pour vrai. D'accord. Pour qu'on prenne celui du milieu, celui de gauche, celui de droite, c'est exactement la même chose. Ok. Ah mince. Je voulais faire un truc. Oula. J'ai pas vu l'effet, ça s'est écroulé. Oh punaise. Il m'a fait flipper. Ouais, donc vous voyez, on a également des niveaux en 3D. En 2D par contre, pardon. On a aussi des passages en 2D dans ce Modern Sonic. Ça, j'avais pas remarqué. Ah, en fait, le truc que je prenais depuis tout à l'heure, là, sur la barre de glissade, là, en fait, c'était... Ah, en fait, c'était des pics. Ah, d'accord. Je viens de remarquer ça. Donc là, lui, on va se le faire, c'est bon. Voilà. Ah, là, je crois qu'il y avait un autre passage. Ah mince, on va se le faire super lent du coup. Ah voilà. Ah, j'aurais bien aimé passer de l'autre côté là. A mon avis, il fallait sauter pour éviter de passer par ici. Je crois que c'était ça. Là, ici on peut esquiver, mais je vois... ça sert à rien vu que pourquoi il me dit que je peux esquiver alors que quand je fonce comme ça je suis invincible. C'est bizarre ça, je vois pas vraiment, je vois pas, je comprends pas du tout à quoi ça sert, mais bon, si tu le dis. Bon bah je crois qu'on a fait un peu le tour là. Donc franchement, ce que je pense, bah, je viens de le dire, je vous l'ai déjà dit, quoi. Je vous ai déjà dit ce que j'en pense, mais bon, c'est... Est-ce que je vois là? Non, 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 je suis moins emballé qu'avant, là. Non, ça prend moins. Non, c'est un peu trop... Enfin, on n'a pas assez de liberté, je trouve. Par contre, les niveaux en 2D sont bien foutus, ça c'est vraiment pas mal, mais... Le petit problème, ça reste quand même au niveau du Modern Sonic entre guillemets. C'est à cause de ce gameplay qui est vraiment pas terrible. On peut quasiment rien faire, quoi. C'est quasiment bientôt la console qui prend le contrôle à certains moments de Sonic et on peut rien faire. On peut pas sauter. Non, ça c'est un peu dommage, quoi. Ça m'emballe pas trop ce système de gameplay là. Non, 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 ça non, je dis non. Ça c'est pas terrible, ça. C'est vraiment dommage. Donc on verra, bien sûr, je verrai ça. Je pourrais faire une conclusion en achetant le jeu. Ouais, bien sûr que je vais acheter le jeu, ça c'est sûr. Même si je suis moins emballé qu'avant, c'est pas pour ça que je vais pas l'acheter. Si, si, je vais l'acheter. Mais bon, je vous parlerai de tout ça dans ma review et je vous dirai ce que j'en pense. Je ferai une comparaison avec cette démo, même si ce n'est qu'une démo, mais on comparera quand même les choses qui ont changé, parce que c'est important, parce que un jeu qu'on achète ne doit pas ressembler à une démo quand même. Mais j'espère qu'il y a des améliorations par rapport à cette démo, parce que franchement, il y a encore beaucoup de lacunes quand même. Bon, des lacunes pas si graves que ça en fin de compte, mais bon, ça peut être quand même gênant à certains moments. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine.